en revanche, au niveau des doses, Kendall, je ne sais pas comment font les gens. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je comprends pas le délire. J'ai hâte de manger, mais en même temps, c'est tellement ennuyant que... Je sais pas. Elle a pas une vie très fun. C'est le Kendall. Pourquoi je suis heureuse, j'ai mangé les concombres, je sais pas. C'est confié en interview en disant qu'elle aimait trop faire un plat extrêmement bizarre. J'ai envie de rien foutre, j'ai envie de claquer des doigts et que quelqu'un me fasse à manger. Ça se boit comme de l'eau, sans blague, dans 2 secondes, je suis bourrée. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de la tourner. Il y a quelques mois, je crois maintenant, je vous avais fait la vidéo je mange 24 heures comme Bella Hadid et vous aviez trop aimé, donc je me suis dit que j'allais faire une partie 2 mais avec quelqu'un d'autre. Et on est toujours sur une mannequin Victoria's Secret puisqu'aujourd'hui je vais faire Kendall Jenner. Je vous avais demandé sur Insta qui voulait que je fasse et c'était Emrata et Kendall Jenner qui était sorti le plus. Donc là je fais Kendall et puis ensuite je ferai Emrata sûrement, je sais pas quand, mais je le ferai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné, comme ça vous n'allez pas rater les vidéos. Donc j'ai fait toutes mes recherches sur son alimentation et il y a des trucs un peu bizarres. Déjà j'ai l'impression qu'elle mange énormément, en tout cas si c'est le cas ça me plaît parce que moi aussi. Et c'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu de la voir manger ce qu'elle veut, des pâtes, des pizzas sur les réseaux sociaux, mais bon après c'est ce qu'elle montre donc on va voir ça ensemble. Mais sachez qu'elle mange normalement plutôt des produits naturels, j'ai tout noté sur mon téléphone parce que je veux vraiment rien oublier. Elle mange des bonnes protéines, des fruits, des légumes et elle évite les glucides comme absolument tous les mannequins j'ai l'impression de cette terre. Elle boit énormément d'eau et elle évite le sucre ou sinon quand elle fait des cheat meals, elle mange pizza, burger ou pâtes. Voilà. Donc, on va voir ce qu'elle mange le matin et ça, ça m'intéresse parce que j'aime trop le petit déjeuner. Déjà, avant, elle buvait énormément de thé. Elle expliquait qu'elle buvait carrément 12 tasses de thé par jour. Et dans une interview, je crois que c'était une interview combinée, j'avais vu qu'elle disait qu'elle essayait un maximum d'éviter le thé et le café, donc qu'elle en buvait plus. Ça, c'est parfait parce que moi, j'en bois pas du tout, ni l'un ni l'autre. Son petit-déj de tous les matins, elle dit toujours qu'elle prend un toast d'avocat avec un œuf dessus, mais pas que. Elle prend aussi à côté un gros bol d'avoine. Et ça, c'est assez surprenant parce que, par exemple, moi, vous savez, j'adore les petits porridge du matin avec la avoine, les fruits, mais c'est ça ou des toasts d'avocat, c'est pas les deux parce que ça, ça remplit le ventre jusqu'à je sais pas quelle heure. Du coup je trouve ça grave étonnant en plus qu'elle dise qu'elle prend un gros bol, mais bon c'est pas grave. Et elle dit qu'elle adore les fraises, donc du coup ce sera ce matin un toast d'avocat avec un œuf dessus, un porridge à l'avoine avec des fraises, donc c'est parti. Et aussi j'aimerais trop essayer de faire un œuf poché et je ne sais pas comment font les gens, moi je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais regarder un tuto œuf poché sur YouTube. J'ai pas de vinaigre blanc, ça me saoule là. Du coup j'ai regardé, on peut faire sans vinaigre mais ça a l'air d'être une énorme galère. Faut faire tourbillonner l'eau, donc on va tenter. Mais j'avoue que j'ai pas du tout confiance. Merde, j'ai pas mis de minuteur. Mais un minuteur de 2 minutes. Ah non, en vrai, il y a plein de morceaux mais en vrai au milieu il y a un truc. Oh merde, vous voyez rien. Je vous assure qu'au milieu il y a un truc. Je pense que c'est cuit, ça fait pas 2 minutes mais je pense que c'est cuit. Ça fait 2 minutes. Oh, mais je suis sûre qu'il est tout dur à l'intérieur. Il est pas mûr. Ouah, mais. J'ai complètement oublié de faire l'avoine. Mais attendez, mais elle prend combien de temps à faire son petit-déj le matin? Franchement, je vais essayer de respecter ses portions. Genre, quand elle dit un big bowl, je vais essayer de faire un big bowl, mais c'est pas gagné. Hein. Toujours. Qu'est-ce que je cherche? Ah, pour mon avoine. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que son petit déj, il coûte très cher. Hein, parce que entre les fraises, les avocats, les œufs, l'avoine, elle met aussi du peanut butter dedans. Let's go! Alors, il y a des travaux dehors. Je pense pas que ce soit dérangeant. C'est mieux d'être dehors avec de la lumière. No. Toast d'avocat à la Kendall Jenner. Donc j'ai mis des petites épices hein, comme tout le monde fait. Je me suis dit qu'elle le faisait aussi. Et avec mon petit œuf poché, j'ai hâte de l'ouvrir pour voir s'il est fondant. Et ça, je sais pas quoi dire. Pourquoi la vie, les travaux? Moi je trouve honnêtement que c'est extrêmement beaucoup. Genre moi ça, déjà je sais pas si j'arrive à le finir. Est-ce que ça va fonctionner ou non, je ne sais pas. Je suis trop contente, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je suis trop contente, je le referai. Bon, je suis heureuse. Trop bon avec l'œuf. Trop trop bon. Trop bon. Avec les œufs, trop bon. Ah par contre, elle boit beaucoup d'eau. J'ai pas bu une goutte d'eau encore.
Ça, j'approuve pour l'instant. Et ça, bah, je sais quel goût ça a, vu que j'en mange tous les matins. Mais normalement, moi, je mets plus de trucs parce que sinon, j'ai peur toujours que ce soit fade. Donc, on va tester juste avec le peanut et les fraises. Super bon. Franchement, trop contente. Mais par contre, au niveau quantité, c'est impossible. Je vous dis, moi, c'est soit ça, sinon, j'explose dès le matin. Je peux plus manger après. Là c'est mon maximum, je peux pas en faire plus. Bon, il reste tout ça, je vais aller donner à Jérémy comme d'habitude. Kendall, tu manges des choses super bonnes, mais par contre, tes quantités, je comprends pas. Tiens, Kendall Jenner, elle mange des doses d'avocat et de l'avoine. Donc du coup, tu peux manger mes restes. Tu vas être fière de moi. J'ai fait un œuf poché. Mais non. Mmh, qui dégouline. Regarde ma story. C'est stylé. Incroyable. Je suis trop contente. Bravo. Bon, c'était trop bon. Donc très contente de ce petit déj, mais en revanche, au niveau des doses, Kendall, pour l'instant, je valide. Mais je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Et j'ai trop hâte les prochaines recettes, surtout ce soir. On se retrouve ce midi, un petit peu plus préparé, pour la recette du midi. Promis, je mange rien entre temps. C'est l'heure du déjeuner, je suis trop contente, j'ai trop faim, on a eu encore des petites aventures avec le chat ce matin. Donc, il est un peu tard, qu'est-ce qu'elle mange Kendall Jenner? Kendall Jenner, figurez-vous, elle mange pas particulièrement des salades. Parce que souvent les mannequins de Victoria's Secret, elles disent qu'elles mangent de la salade le midi, tout le temps. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'elles ont vraiment globalement un peu les mêmes régimes. Elles mangent du poulet, du riz et des brocolis le midi. Bon alors pas tout le temps, mais elle aime surtout manger des bonnes protéines. Donc elle dit qu'elle fait soit du bon saumon ou du poulet et qu'elle adore le riz brun. Alors je sais pas ce qu'ils ont tous là-bas avec le riz brun, c'est sûrement beaucoup plus sain. Mais ici j'ai un peu galéré, enfin c'est Jérémy qui l'a acheté, donc je sais pas vraiment ce que c'est un espèce de riz brun, semi-complet, complet. Et elle mange toujours des légumes dans ses plats et elle dit qu'elle aime bien les brocolis. Donc on va tester ça. Regardez juste, s'il vous plaît, la queue du brocoli. C'est quoi ce brocoli? Je vais un peu galérer je pense. Je vais pas en faire beaucoup hein. J'ai mon poulet, il y avait un filet de poulet. Ici je vous dis vraiment faire des courses c'est une galère. Et le brown rice. Je comprends pas le délire. Ouah, 16-18 minutes. Je crois que je vais couper ça en deux parce que c'est énorme. T'es heureux de manger des brocolis? Franchement ouais, c'est grave. J'ai un peu d'oreille. Ah. Je déteste ça. J'ai un truc dans l'œil, j'arrive pas à l'enlever. Je m'ennuie. Quoi? Mais arrête! C'est normal ou pas? Mais oui, c'est normal. Dis-lui que c'est normal quand on met une encre à lèvres et qu'on a les lèvres sèches, ça fait des taches. Tu vas t'en remettre? Dis vachement bien, nickel. Ta gueule. Faut faire cuire le poulet. Oh et voilà. Bon, j'ai extrêmement hâte là. J'ai hâte de manger, mais en même temps, c'est tellement ennuyant que. Je sais pas. Voilà le résultat final: brocoli, poulet, riz. Et en fait je pense que c'est un peu un mélange de céréales. Donc bon je pense que c'est bien. On va goûter ça. Mais super bon poulet. Là c'est mieux. Je vois rien. Le riz là aux céréales il est trop bon. En vrai je trouve que ce genre de plat c'est grave bon. Parce que là genre c'est un mélange de céréales avec du riz. Le poulet il est bon, les brocolis sont bons. Mais ce genre de plat t'as trop la flemme de les faire. Franchement si on avait pas la flemme la vie serait beaucoup plus simple. C'est bourratif de ouf, je meurs de chaud là, je vais crever. Je vais changer de plat je crois. Ah j'ai plus de batterie. Bon, vu que j'ai plus de batterie, je vais manger ça et on se revoit juste après pour faire un point. On a terminé de manger, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bon, simple quoi. C'est tout? C'est comme manger à la maison, découvert. Elle a une vie très faible, telle Kendall Jenner. Là, moi par contre, ce qui va être super dur, c'est de pas manger de glace au goûter. Parce que ça, Kendall Jenner, vous allez voir un peu plus tard le goûter. Rien à voir avec ce que je mange. Ici, on mange des glaces, peanut butter tous les jours. Mais bon, ça c'est la vie de vacances. Donc on va bien voir. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire qu'il a envie de manger une glace. J'ai pas le droit de manger de glace. Quand vous allez voir ce que je vais manger pour le goûter. Parfait. Tu as mangé ça où? À la maison ou ici? À la maison. C'est mon temps. Bon allez salut. Salut. Moi je n'ai pas fait de snack. Il est l'heure et franchement ça m'a grave calé le plat de ce midi. Qu'est-ce qu'elle prend comme goûter Kendall Jenner? Tout le monde se demande. Kendall Jenner elle est plutôt salée pour son goûter. Donc ça j'aime bien. Ce que j'aime un peu moins c'est que elle mange des petits légumes au goûter. Oui oui. Elle mange des carottes et des concombres avec du houmous. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Honnêtement quand on essaye de manger sainement c'est le truc que tu fais au goûter. Parce que c'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Et en même temps ça te donne un petit truc à manger qui est bon. Enfin ça c'est clairement le truc, même moi je le fais quand j'essaie de faire attention à ce que je mange. Mais quand t'es pas dans cette phase c'est clairement un truc tu t'en fous quoi. Mais bon aujourd'hui je suis Kendall Jenner. Et deuxième chose à dire, nous sommes en Sicile, il n'y a pas de houmous. Donc on va se faire des concombres. Franchement j'adore les concombres donc en vrai ça me dérange pas tant que ça.
Non, c'est pas pour toi. J'ai un peu honte de ce que j'ai fait. J'ai extrêmement honte même. Je sais pas comment vous faites vos trucs. C'est... Je sais pas ce que c'est. C'est une potée rose. Ah, je vous ai pas dit, j'ai grave bu de l'eau aujourd'hui. Je suis fière de moi. En vrai, c'est trop bon de manger des concombres comme ça. C'est sûr qu'avec du houmous, c'est meilleur. Mais en vrai, c'est quand même un bon petit snack. Pourquoi je suis heureuse de manger des concombres déjà? Faudrait que je mange mieux en ce moment, franchement. Je suis trop contente d'être en Sicile, même si je pars là bientôt, mais j'ai passé un mois quand même ici. Il y a la trop bonne nourriture, donc je suis grave contente de profiter. Enfin bref. Voilà. Et on va voir ce soir ce qu'on va manger. J'ai hâte de goûter parce que c'est très spécial. A tout à l'heure. Me revoilà. Il est super tard, il est 21h30, donc c'est l'heure de manger. Ce soir, nous allons faire un plat assez spécial. Est-ce que t'avais déjà entendu ce plat? Moi jamais de ma vie j'ai entendu ce plat là. Kendall Jenner s'est confiée en interview en disant qu'elle aimait trop faire un plat extrêmement bizarre. Elle a dit qu'elle aimait trop faire des fettuccini aux petits pois. Donc c'est des espèces de tagliatelle avec des petits pois à l'intérieur. Donc c'est extrêmement bizarre. Et elle met aussi de l'ail. Alors évidemment, vu la tête de Jérémy, nous on est vraiment, c'est pas notre délire à oignon, c'est vraiment pas notre truc. Pas d'ail en couple. Pas d'ail en couple, non. Et du parmesan. Donc on va faire ça. Mais Kendall Jenner, elle fait un truc tout le temps. Elle boit du vin. Et donc, on va boire du vin en sachant qu'avec cette période compliquée depuis un an, on ne boit jamais d'alcool. Donc, on va boire. J'ai envie de rien foutre. J'ai envie de claquer des doigts et que quelqu'un me fasse à manger. Oh, sa mère. Oh, tu sers ça comme de l'eau, toi, gros malade. J'avoue, j'ai un peu craqué. Attends, on dirait du jus de pomme, il est rose. Il est jaune. Ouais. Tu penses pas? C'est la spéciale Sicilie. Oh, sa mère. Quoi? C'est pas du tout de rosé. Mais c'est quoi? C'est genre du champagne champomie. Tu te fous ma gueule? Mais c'est ni en même du temps, champomie. Je suis un débile parce qu'il y a marqué frizzante. Mais en revanche, ça se boit comme de l'eau. Je suis tout blanc. À chaque vidéo, t'es obligé de faire ça. Ils sont fous. Ça se boit comme de l'eau, sans blague. Dans deux secondes, je suis bourrée. I'm outside the MG. J'ai posté un nouveau reel. Je vous laisse deviner la musique. Il est quelle heure? 21h39, j'avoue. Oh là là, sa mère. Ah ouais. Marre de cette vie, je cours après le temps. Oh putain, j'aurais dû faire la marmitas. 6 minutes. Mais c'est incroyable, on mange en 2 secondes. C'est bon, c'est des petits pois. Oh, le focus. J'en ai fait peut-être un peu beaucoup là. Ah non. M'en fous. Et le parmesan. Et voilà. En vrai, ça donne envie, hein. Oh là là. J'ai hâte de manger. Ah bon. En vrai, c'est bon, hein. Mais genre, de là me dire, j'ai trop envie de pâte aux petits pois. Non, mais c'est, tu peux avoir une boîte de petits pois chez toi tout le temps. Ouais. Je vais mettre des bulles de lune. Dites-moi si vous êtes pareil que moi. Je ne supporte pas boire pendant que je mange. Nous allons nous arrêter là pour les pâtes, mais... J'ai quand même une place pour le dessert. Qu'est-ce qu'elle mange pour le dessert Kendall Jenner? Alors je suppose qu'elle ne mange pas ça tous les soirs. Mais elle a dit qu'elle aimait deux choses. Les yaourts glacés. Sauf qu'on est en Sicile, perdu dans la campagne. On va pas aller chercher un yaourt glacé comme dans les centres commerciaux là. Mais elle dit qu'elle adore ça. Ou alors un Magnum. Devinez ce qu'on va manger. Un Magnum. Donc on a acheté hier, Jérémy a acheté des Magnum coco. Il y avait que ça apparemment, genre trop bizarre. Et là il m'a dit qu'il en avait racheté. Sauf que je ne sais pas ce qu'il a acheté. T'as acheté des Magnum? Ouais. Ouf. Tu me dis pas ce que c'est, j'ai envie d'aller voir dans le congélateur. Mes magnums préférés, c'est amande et... J'ai envie de ta tête pour voir ce qu'il y a. Et chocolat blanc. Ok, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Ah! T'en veux? Non. Tu manges une glace. C'est dingue. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te sens bien? C'est le genre de truc, ça va me mettre trop mal. Genre là, je mange une petite pomme. Pas la même vie. Moi, je suis Kendall Jenner, donc... Non. C'est quoi votre magnum préféré? Entre chocolat blanc et amande, c'est impossible. Non, amande, je pense. Je ne peux pas te dire quand est-ce que la dernière fois que j'ai mangé ça. C'est pas ma mère qu'on avait acheté. Ça n'a aucun sens que tu dis ta mère qui me paye un Magnum. Merci Kendall. Même si bon, on sait que tu manges pas des pâtes tous les soirs et des Magnum. Bon, ça y est, là j'en peux plus. Je vous fais vite une outro avant de m'endormir. J'ai terminé de manger. Dans mes vidéos, je fais que manger. Je pense que YouTube, ça va me faire prendre 45 kilos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, c'était trop cool. J'aime trop les vidéos de 24h, de toute façon, comme d'hab, vous le savez. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres et n'hésitez pas à vous abonner en même temps pour pas louper les prochaines. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Si jamais c'est pas déjà le cas, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. J'essaie de répondre à tous vos messages, même si c'est un petit peu difficile. Et on est bientôt 100 000 sur YouTube.
YouTube. J'ai l'impression que je dis toujours la même chose à la fin de mes vidéos. Franchement, Kendall Jenner, je valide son alimentation. Enfin, j'aime bien, en tout cas, de ce que j'ai mangé aujourd'hui. C'est très cool. Mis à part les doses un peu mal gérées. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est Kendall. Mais mis à part ça, franchement, j'ai grave aimé. Donc, je suis très contente. J'ai bien mangé. Et puis voilà. C'est quel repas qui vous a donné le plus envie à vous? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah.